champion d'Europe en titre. Attention, c'est aussi un candidat sérieux à la médaille. Il avait battu notamment Petkovsek à Debrecen. Attention donc à lui. Et pour l'instant, on le rappelle, Petkovsek est en tête devant Lik Chiaopen et Jan Kuchra. Ouais, c'est un client sérieux, Manuel Carballo. C'est vraiment la chasse au millième, cet agrès. On ne peut pas se permettre vraiment la moindre fioriture. Sans doute le petit écart à la réception qui a fait reculer Lee à la deuxième place. C'est parti pour l'Espagnol. Allez, premier élément, salto en dessous demi-tour avec une valse complète, ça passe, c'est nickel. Salto en dessous demi-tour. Ici le Tipelt, une valse, un passage en bout de barre, ça tend dessous, les bras sont parfaitement tendus. Un Tipelt avec un salto avant, bon. C'est joli, très original. Ici un coupé écart, ça passe. Ah, c'est bien ce qui nous fait l'Espagnol là pour l'instant, et la sortie, malheureusement deux pas en arrière. Je vois malheureusement souriant Godon. Malheureusement, en souriant, effectivement, Carballo qui a commis une faute à la réception. On l'avait dit, hein, vu le caractère excessivement serré de cette finale, la moindre faute peut être rédhibitoire. En tout cas, techniquement, c'était très très fort. Ouais, ouais, un début de mouvement, même tout le mouvement, absolument parfait. Mais bon, là, la sortie, c'est sûr, hein, ça va lui coûter 2 voire 3 dixièmes. Là, il a failli tomber, il s'est rattrapé. À l'image de ce type, Pelt salto avant. Ah, des petites fautes de jambes, on voit, mais c'est pas grave. Un gymnaste qui est très très souple, la dislocation des épaules pour faire le salto avant. Ah, quel dommage là pour l'Espagnol, cette sortie. Double salto RKP, regardez, il manque de tomber sur les fesses. Et il se rattrape, mais là ça lui coûte très très cher. Et là, ce n'était pas qu'un petit pas de recul, vous l'avez vu. Et il est évidemment dégoûté, Carballo. Il sait que sans doute la médaille s'est envolée. Ça, on est un petit peu méchant, mais ça ne déplairait pas parce que la médaille, elle est pour l'instant pour Jan Kuchra. Voilà, il perd moins 3 dixièmes sur. Donc si on le met à égalité avec Cannes, c'est sûr, ça fait du 9,30 pour l'Espagnol.